Vous êtes à la capsule des jeûneurs d'Objectif Santé de Dr Nature. Nous avons choisi de vous accompagner durant les 30 jours en parlant des conditions de longévité. L'espérance de vie d'une cellule doit être environ 120 ans. Et sa programmation est terminée et maintenant s'arrêter. Une cellule qui s'arrête avant de l'être, c'est une cellule qui a mal fonctionné. Et il faut qu'on sache comment fonctionne une cellule. Nous allons écouter Dr Nature pour savoir comment une cellule fonctionne et nous revenons pour la conclusion. Le fonctionnement des cellules est à deux niveaux. Il fait sa mitose, c'est-à-dire les informations que la cellule mère a mettra au monde deux jeunes filles cellules qui ont les mêmes informations que la cellule mère. Et cette cellule a la capacité de réguler les quantités de cellules. Deuxième, cette cellule a la capacité de voir les cellules endommagées dont on ne peut plus réparer et de les détruire. On appelle ça dans le jargon l'apoptose. Donc la cellule a deux fonctions. La première élément nous pérennise, nous rajeunit. Le deuxième élément, il programme et contrôle la mort de nos cellules. Voilà les deux fonctions d'une cellule. En nous, les mille milliards de cellules que vous avez, elles ont deux fonctions. Ils doivent toujours renouveler. Et quand ils renouvellent, ils voient des cellules abîmées, les cellules vieillissent et les détruisent. Et toutes les cellules sont programmées, bien contrôlées, à mourir. Donc, notre cellule qui sommes en nous naissent en parfaite santé. Nous prenons la santé du papa, nous prenons la santé de la maman. Les cellules sont programmées à vivre un certain moment et de mourir. Donc, l'apoptose. Donc, l'individu, la cellule est entre la mitose et l'apoptose. Mais vous allez découvrir que je n'ai pas parlé de maladie. Il n'y a pas de place de la maladie dans une cellule. La cellule a la capacité de découvrir les cellules erronées, de découvrir les cellules anormales et de les détruire lui-même. Et toutes les vieilles cellules se renouvellent. Donc l'existence d'un individu, de sa naissance à sa mort, il doit vivre les 100 ans avec l'absence de maladie. Il doit être en pleine forme. Voilà comment a été programmé le fonctionnement d'une cellule. La cellule se renouvelle en se multipliant, qu'on appelle mitose ou méiose. 2. La cellule arrive à détecter celle qui est malade et s'auto-répare. 3. Si la réparation n'est pas possible, la cellule s'auto-détruit. Il n'y a pas de cellule malade. Quand il y a un dysfonctionnement, la cellule se reprend. Si la cellule ne peut pas le faire, la cellule s'auto-détruit. Donc, il n'est pas prévu de maladie dans le fonctionnement d'une cellule. Voilà ce que nous venons de découvrir ensemble. Et ça se fait aussi naturellement possible. On n'a pas besoin d'intervention humaine. Merci de votre temps d'écoute. Beaucoup de courage aux jeûneurs. Et on se voit demain pour la continuité.